J'utilise, il me reste une vie. Petit imbécile. T'es bête. Tu es qui? C'est ciao. Bonsoir tout le monde, bienvenue, je sais pas regarder les caméras, on est au studio de Dwagby. Les gars, je suis content qu'on fasse un petit live IRL sur ma chaîne, c'est rare, on en a fait... Alors c'est pas un live IRL, non, je dois le contrer. Un live IRL, tu prends un backpack, tu prends ton téléphone, non. Tu prends un truc... Tu veux que je te ramène un sac à dos, tu te sentiras oui. mieux. Oui, là, voilà, là c'est un live IRL, oui. C'est bon, c'est un live IRL. Alors déjà c'est mon sac, non, ça compte même pas frérot. Ah, après, regarde, je peux montrer ton sac avec la caméra Disneyland. On dirait le sac d'un neveu qui a entre 8 et 9 ans, c'est incroyable. Frérot, je l'ai acheté, c'est un collector édition. J'étais là le jour où il l'a acheté. C'est vrai? Ah, il était là. T'as vu qu'ils se sont beaucoup rapprochés dernièrement. C'est vrai que j'ai gardé un très bon souvenir. Ouais, très très bon souvenir. L'un des meilleurs souvenirs que j'ai dans le streaming game. Bah tiens, j'en profite, je te le dis, moi aussi. Merci frérot. Ouais, pourtant, j'ai passé beaucoup de moments privilégiés avec mes amis. Bah celui-là était... Ouais. Sûrement que j'étais à un moment de ma vie où j'en avais sûrement besoin, mais... C'est réciproque, c'est réciproque. Ouais, il le tient par le callback comme s'il allait le frapper. D'ailleurs, tu m'as dit qu'on devait refaire ça un de ces quatre. Oui. Quand tu veux, mec. Oui, bientôt. T'avais pas vu mes messages de relance? Est-ce que... J'ai commandé des jeux très élaborés il y a 3 jours. Aujourd'hui, on va s'affronter à travers des jeux de la vraie vie. J'ai notamment, je spoil la première épreuve directement pour vous voyez le délire, on a réussi à avoir un docteur Maboule géant. Voilà, on le voit à l'écran. Mais la qualité des jeux de ce soir, gros, c'est tous comme ça. Et avant qu'on commence à jouer, les gars, je trouve qu'il y a un peu de tension dans notre groupe. Il y a peut-être des gens qui sont pas très honnêtes, qui se disent tout. Ouais. Donc je vais revenir avec quelque chose. Oula, il me fait peur. Oula. Là. Vous dites qu'il s'en va. Alors, qu'est-ce qu'il a dans les mains? Et voilà. C'est quoi? Okay. Ça, c'est le meilleur détecteur de mensonges de France. Les amis, Attends, mais ça ne peut pas se faire comme ça. Attends, non, mais attends, je l'ai utilisé plein de fois. Attends, fais gaffe. On va chacun notre tour poser une question à la personne de notre choix. J'appuierai ici juste avant qu'elle réponde. Elle répondra, donc des questions fermées, oui ou non. Et on saura si elle dit la vérité. D'accord, mais c'est un niveau vraiment dessus, c'est-à-dire que t'as même pas besoin, ça capte même pas tes trucs, c'est juste à l'intonation, quoi. Oui, bien sûr. Gotaga, des fois, as-tu regretté d'avoir live avec moi? C'est du haut de gamme. Non. Ça cherche. On va le savoir. Ça cherche. Regardez, là, ça fouille. Ça cherche. Oh, c'est vrai. Ça marche absolument pas ton truc. Enfin, si, ça marche super bien. Ça marche super bien. C'est toujours. C'est ouf la technologie. T'as joué, t'es content qu'on l'a vendu. Ouais, bien sûr. Bah, t'as vu, c'était vert. Locklear. Est-ce que toutes les fois où tu m'as dit idiot, tu le pensais vraiment que j'étais idiot? Oh là, c'est impersonnel. Totalement. Ok. Il a pas compris. Non, mon frérot, je le savais. Je le savais. Je le savais, super. Mm-hmm. Dwagby. Ouais. Sa copine regarde ce live. Si tu pouvais tromper ton ou ta partenaire sans aucun risque de te faire prendre, le ferais-tu, Dwagby? Non, jamais. Ça avait l'air sincère. Du coup, on commence les jeux ou pas? On va passer au premier jeu de cette soirée. Le premier jeu, Dwagby. T'as pas de lacet, Dwagby. J'ai pas de lacet. T'as pas de lacet. C'est le seul qui a commencé à faire lacet. C'est vraiment un chien. Ce soir, chacun pour soi, mesdames et messieurs, on est tous à 0 point. Il y aura des épreuves en équipe, donc parfois il va falloir quand même faire équipe. Mais tous les points sont comptés individuellement. Ce qu'on va faire sur Dr Maboule, vous voyez, il y a un corps qui a énormément de problèmes. Le but, le soigner dans l'entièreté. On fait quoi? On fait un passage individuel par personne et on chronomètre et ensuite on voit qui a fait le plus de temps en rajoutant des malus par bip. Ok, à chaque bip. 20 secondes de plus, 10 secondes de plus. C'est 10 secondes de plus. On fait toutes les pièces? Je pense qu'on peut faire toutes les pièces. Hein. Toutes les pièces, monsieur? Toutes les pièces, bien sûr, monsieur. Avec bien c'est sûr. Pas monsieur, c'est docteur. Vous n'avez pas de blouse, donc vous savez pas trop à qui vous parlez. Monsieur, vous faites. Ne me pointez pas du doigt. Est-ce qu'on lui fait docteur? Vous faites. C'est terminé. Oh! C'est terminé. Moins 10 secondes. Cette histoire ne va pas durer. Non. Il a rien fait, tu l'aimais. Bon, Gotha, tu veux commencer? Je peux commencer, monsieur. C'est parti. 1. Non, 0. 1. Comment ça, 0? 2. Mec, on a dit combien? 10. 3. Non, mais en vrai, ça va être 10. Hein. Non, on a dit 10. Ouais, il est mort. 4. Il est mort. Non, attends. 5. 10. Continue. Il tient déjà pas de 10. Non, c'est bon, allez, on y va. Et lancez le chrono, Régis. Top. À chaque fois qu'on entend bip, c'est 10 secondes de plus au chrono. On le rajoutera à la fin. On compte les bips. Oh, il est très fort. Ça, c'est fait. Docteur Gotaga. 0 bip. Je le ferai quand je serai moins drunk que... Oui, Gotha, il a raison, parce qu'il est malin, il sait que voilà, le fait d'être étourdi va passer, et donc commencer par les pièces faciles et finir par les difficiles, il tout est dans la stratégie. Précis, hein. Le docteur Gotaga a l'air aucune extrêmement... Aucune erreur. Wow. Il faut que les deux parties métalliques s'entrechoquent pour créer justement la réaction. Mais ce gars-là ne tremble pas
d'un millimètre. Non, non, tout est parfait pour le moment. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il a touché. Oula, patient. 10 secondes. 10 secondes. Vous appuyez mais pas sur le patient. On s'appuie pas sur le patient. Vous ne vous appuyez pas sur le patient. Laissez-moi tranquille. Oh non, un peu plus vite. C'est pas moi, c'est l'autre. 5 secondes. Attention, le contact. Lui, il est dur, lui, il est dur, lui, il est dur. Oh, oh, oh. Oui, elle est belle, elle est belle. Ok. Très bien, il s'en sort, il s'en sort. Pousse-toi, pousse-toi, pousse-toi. Attention, monsieur, vous me poussez. Il y a quand même un corps en jeu. Attendez, là c'est fait, là c'est fait, là c'est fait. Non, il a fini. Ah, c'est la dernière pièce en régie, soyez prêts. Comment on la prend? Oh, non, pas une quatrième. Oh, c'est très fort qu'il en ait fait qu'un sur celui-là. Terminé en régie. Revenons sur les événements, revenons sur ce qui vient de se passer. Dalle. En sortant le cœur, Gotaga, dans sa magie, a fait tomber le cœur dans un autre trou. C'est fini. Il l'a sorti dans un élan de rage à la main. Je t'en ai bien sorti, Gotaga. Non, mais là, y a rien, c'est pour ça. À un moment, j'ai regardé parce qu'il y avait rien et j'ai touché à ce moment-là. Qui avait rien. Oh. Il a mis la piège dans sa poche. Oh, bah. C'est bien fait, ça. Ok. Il a mis la piège dans sa poche. Oh, je suis médecin. Du coup, ça m'arrive de bifurquer sur les mots. Et on me dit que les 56, c'est le total déjà cumulé avec tes pénalités. Mec. Donc ça va, t'es à moins de 2 minutes. Je te jure, c'est fou de voir 65 000 personnes dire exactement la voix. Ah oui, t'avais déjà le tournis en fait. C'est quoi ça? Il a bu des petits verres avant, hein. 3. Ah, je me suis mis un coup dans le front, mec. Tu vois? Et qu'est-ce que je t'ai dit après? 4. Tu vais. Et 5, j'ai très monsieur, peur pour le patient. C'est parti. Mais vite, le tour est parti. J'ai peur pour le patient. Squeezie. Il l'a mis contre une paroi, ce Gotaga. Vous appuyez sur le patient, attention à vous. 10 secondes. 10 secondes en moins, monsieur. Une. Ah, tu commences directement par le cœur? Non, t'as raison. Eh, c'est dur de fou, là. Ok, hop là, ça... Non, je sais pas faire. Excusez-moi, monsieur, je récupère le bâton. Pour l'instant, qu'une seule pénalité, c'est extraordinaire. Deux pénalités, attention. Attention, patient en danger. Ce pauvre client. Normalement, la pince, c'est une main. C'est très. Non, non, il a. Non, non. Je fais ce que je veux, mec. Vous avez tous les droits. Y a le téléphone des studios de Douac qui sonne, confondez pas. Ok, en vrai, je m'en sors bien, ok, quand je vois Lucas à côté. Ça, il compte pour un ou pour deux, ça? Wouah! Ça fait 7 pénalités, là! J'ai envie de terminer, là. Il a pas fait le cœur encore. Non, mais quoi, il y a plus de pénalités que d'objets. Mais non, lui. Allez, j'ai pas touché là. Il a cassé la machine là. C'est l'une de l'autre. Le but du jeu, c'est de ne pas toucher les parois, Scream. Moi, les gars, qui se rappelle quand tu as fait? Non, mais en vrai, c'est pour les enfants de 6 ans, ce sera trop facile. Moi, je sauve mon patient, moi. Rien. Oh, y a aucune finesse. Incroyable. Juste du son. Mais t'es un boucher, gros. C'est fini là. Top. On me dit qu'en régie, ils en ont compté 11. 11, ils sont vraiment gentils avec toi. On va arrondir à 10. On va arrondir à 10. On est sympa. 10 pénalités pour Squeezie. Ah, ouais. 3 à 28. Oui, et il y a 1 minute 40 de pénalité. C'est un peu serré cette veste pour quelqu'un. Dr. Cringe s'apprête à passer à l'action. Dr. Cringe, vous êtes prêt? Dr. Cringe est prêt. Allez-y, Dr. Cringe. Musique classique, s'il vous plaît. Musique classique, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que font ces deux énergumènes dans mon opératoire? Il y a un mauvais bail. Sortez-les! Non. Lock, c'est à toi de jouer. Tu peux savoir ou pas? Non. Allez, un tour. Deux tours. Trois tours. Et... Non. Tu fais un de plus. 5. 4 tours. 5 tours. Allez, on y va. Bravo. Sans problème. Sans encombre. Voilà. Wow. Il est chirurgical, hein, je vais pas... Et oui, wow. Il y en a qui a fait ça toute sa vie. Oh. Il se meurt. Ah. Oh, monsieur. Je suis désolé, monsieur. il va quand même pas réussir si facilement. Une seule pénalité. Ah, et le stylo est retourné. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah oui, il a qui craint là. Mais attends, mais. 9, 10, 11. Il a plus rien à foutre. 13, 14, 15, 16. Pourquoi il fait ça? Excusez-moi, monsieur. Mais à quel moment c'est parti en couille? Il en reste plus qu'un. Il est à 17. Plus qu'un. Mais t'avais si bien démarré. Mais pourquoi il y avait le crayon là-bas là? C'est fini, stop. Oh, 17 pénalités. Ce qui fait 3 minutes 55. Vous n'avez pas honte, monsieur? Docteur? Vous avez touché 17 fois. Monsieur, on va remettre tout dans les trucs. Ouais.
franchement, ça si vous voulez, je les remets moi. Non, là, non, t'inquiète, t'inquiète. J'ai l'impression que vous les placez de manière extrêmement difficile. Allez, on y va et c'est parti pour 5 tours sur toi-même. On y va, allez. Allez. Un tour. Deux. Trois. Quatre. Touche le sol. Cinq. Ouah, la vie. Allez, va là-bas. On lance le tour de régie. Bien joué, la régie qui est réactive. C'est impossible, je penche à droite. Bien, à toi de jouer. Allez, on y va. Je penche à droite. Et Doigt Piqué très concentré, très focus. Vas-y, vous êtes des bâtards d'avoir mis les trucs comme ça. Bon, les amis. Éloignez-vous, éloignez-vous. Ok, je suis moins drunk. Après, je vous avouerai quelque chose, chat, ça va beaucoup vous faire rire. Doigby qui continue, qui pour le moment a pas fait sonner. Hey. Hey, Doigby, attention, qui prend son temps. Vis de la gamme, il prend son temps, mais s'il a pas de sonnerie, au final, il va gagner, même s'il a mis plus longtemps en soi. Ouh, et ça tremble, mais pourtant, ça tremble, sonne pas. Ça... Ah, une sonnerie. Celui qui a placé les pièces, c'est un chien, il les met au bord. Ah, c'est la régie, hein, tu connais. Hein. C'est la régie, c'est la régie. Une sonnerie, deux sonneries, trois sonneries. Ah, vas-y. Bon, celle-là peut compter pour elle deux. Elle peut compter quatre sonneries, quatre sonneries. Il exagère. Ça sonne d'avoir passé autant de temps dessus. Quatre, cinq. Non, mais vous êtes des bâtards de coller les pièces. Et on est toujours sur quatre ou cinq sonneries, je sais plus, mais en régie, ils suivent, je le sais bien quatre. Mieux que moi. On n'y arrive pas. Probablement cinq. Et Dwagby qui va peut-être nous battre. Il lui reste deux pièces, dont l'une. Et une sonnerie de plus en régie. Il lui reste cette pièce là qui a été mise en pied par la régie. Une sonnerie en plus. Quatre sonneries d'un coup. Quatre sonneries d'un coup. Pour même pas récupérer la pièce. 5, 6 sonneries en plus. Wouah. Ça elle est facile. Dépêchez-vous monsieur. Allez, le pas va pas mourir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça compte pour plus de sonneries non. Et la voiture, la voiture. 7 8 9 10 11 13 14. Je comprends pas, pourtant c'était pareil pour non, tout le monde. Non, quoi. Vous avez vraiment abusé sur le placement des pièces. 4 minutes 37 pour Dwagby. Ben, ça y est, c'est Gotha qui a gagné. Ah là 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 là, merci. Je trouve que vous êtes tous très athlétiques. En même temps, je sais qu'il y a certains talents ici, raquettes en main. Je vous propose une tournante de ping-pong. Oh, c'est pas dangereux la tournante? Quoi? Genre, tu sais, tu te prends les genours dans la table. Non, faut que tu cours à l'écart. Si, j'en ai fait tout le temps. J'étais en pension, moi, frérot. Bah, c'est bon alors. Moi, baby-foot et ping-pong, je vous explose tous. Genre, moi, j'étais en... Eh, les gars, les enfants gâtés, moi, j'étais en pension. Oh. Tu peux lui poser une question s'il a vraiment été en pension? J'ai l'impression que c'est faux. Le clear t'a menti une vie en disant que tu allais en pension. Pour te donner un vécu? Non. Ouais, voilà. Wow. Non, mais c'est bien ce que je pensais. Ce monsieur n'a pas de vécu. En fait, vous mentez tout le temps. Ce monsieur n'a pas de vécu. Attendez, parce que là, il y a un frais champion. Tu touches pas le sol? Tu touches le sol, montre-nous toi. Bah bien sûr. Vas-y. J'ai une vie en plus si j'arrive. Une vie ou deux vies? Les gars, faut qu'on se mette d'accord. Putain, t'es chaud. Oh. Je sais pas si j'arrive. Moi, évidemment que j'arrive, je te bluffe pour flatter ton ego. Allez, on y va, il est déstabilisé. Deux vies chacun. Deux vies chacun. Minuit, deux vies chacun. Minuit, on y va. Attends. Tout le monde est bien installé au niveau pantalon? Oui. Pourquoi? Quand tu m'as mis un touche, j'ai dû vérifier. Parce qu'on va tourner, frérot, va falloir courir là. Et alors? Bah, t'as pas le temps de remonter ton pantalon au cas où t'as ce genre de problème comme moi. Donc, je passe ma ceinture en. Ah, en tryhard. Et c'est pour les points en compteur, hein, t'es mort. Voilà. Tu l'utilises ou pas? Bah oui, il l'utilise. Vas-y, du coup, ça doit le servir. Si tu l'utilises, ça doit te servir. Moi, les gars, j'ai été en pension. En pension, mais. Attends, j'ai pas fait de balle depuis longtemps. T'as jamais été en pension. Moi, j'ai été en pension. Tu t'inventes un mec de pension. Ça, c'est pas un serveur de mec de pension. T'es chez papa, là, bien au chaud, tranquille. Oh, oh. Donne-moi ça. Aucun vécu. Non, mais c'est fini. Non, il avait ses deux vies, il a plus de vie, là. Non, non, il avait pas de vie. J'ai failli glisser. J'ai failli glisser, les frères. Vas-y. Mais qu'est-ce que tu... Omae wa mou shindeiru. J'utilise, il me reste une vie. Doucement, doucement. Allez, allez, dégage, dégage de là, toi. Éliminé. Oh le bâtard. Oh, elle est nulle. Allez, allez, viens me rejoindre. Oh putain, j'ai envie de mourir. La balle de froid. Ah, ça parle plus là. Hein. Bâtard. Ah, tu sais, il était en pension. Oh, il était propre celui-là. Merci, un partout. Je vais jouer défense, ça te dérange pas? Tu peux. Je t'ai vu jouer défense contre je sais plus qui là au loco, c'était pas super. Ouais, ça marche pas de fou, mais j'avais des bons souvenirs quand j'étais petit. T'es essoufflé. Oh, le contre-revers. Bah, ça marche une fois, pas deux. Hein. Oh quoi, elle était bonne. Oh, j'ai louché, bien joué. Bien joué à tous, allez, on retourne sur le plateau directement. C'est là-bas. Tu penses qu'ils vont plus parler là hein? Je sais pas, frérot. Ouh. Bon. Mais ils étaient peut-être pas au courant qu'on a une table de ping-pong le lundi aussi. Ah bah ouais, nous aussi on joue. Hein. Je sais pas. Allez, on y va. On y va. On la remonte un peu là, on la remonte comment? Mais
Hey, les gars, il y a un récap des points. Gota premier, Loc 3, Doig 4 et moi deuxième. Gota qui s'envole, hein, les gars, faut le calmer. Hein. C'est très spécial ce qui va se passer parce que ce n'est plus un jeu à 4. Là, ça va être 2-1-1. Il y a un jeu, c'est de la mémoire et il y a un autre jeu, c'est du calcul mental. Je t'affronte sur celui que tu veux. Et si t'as aucun des deux, tu fais calcul mental. Ok, c'est pas. Messieurs, c'est très simple. Vous allez avoir un jeu devant vous avec plein de bâtonnets. L'objectif, bien évidemment, c'est d'enlever les bâtonnets soit par 1, soit par 2 ou soit par 3. Vous ne pouvez pas faire d'autres options. Celui qui enlève le dernier bâtonnet a perdu. Qui commence ? Faites un pierre-feuille-ciseau pour savoir qui commence maintenant. Si, faux, mais... Il commence. C'est Gota qui commence ? Ouais. Et je rappelle que tu n'as que 5 secondes pour jouer, après ça devient Squeezie. C'est parti ! Mais c'est Il ne faut pas prendre le dernier bâtonnet. Ok, 1, 2 ou 3. Ok. Il en a pris 3. Il ne faut pas prendre le dernier bâtonnet. 3 pour Squeezie. Qui va avoir les 3 points ? Qui en aura 0 ? 3 pour Gotaga. Squeezie qui va se retrouver maintenant dans des problèmes peut-être mathématiques. Il met du temps par contre, monsieur. 1. Il met du temps. 3. 2 bâtonnets. 1 bâtonnet. 3 bâtonnets. Squeezie l'emporte ! Oh my god ! Squeezie, Gota, vous allez devoir faire une combinaison de couleurs ici. Ah, mais on fait... Ah, c'est chaud ? Non, non, là, c'est pour eux et ils vont devoir se rappeler. Faut pas que j'arrive à m'en rappeler. Mais pourquoi ? Faut pas que t'arrives à te rappeler. T'as pas le droit de nous écouter. Ok, vas-y. On montre d'abord un peu au chat. On montre au chat un peu la combinaison. Regardez pas, s'il vous plaît. Regardez pas. Oh là là. Voilà la combinaison que nous avons faite, chat. Donc ils vont devoir se rappeler de tout ça. Messieurs, veuillez prendre place. Je prends le relais un petit peu sur l'animation. Vous savez ce que vous allez avoir à faire. Il y a une séquence de billes ici au milieu qui va s'apparaître à vous pendant combien de temps? Je sais pas, 20 secondes, 30 secondes? Hors de question, 10 secondes. Non, c'est impossible. Et vous allez devoir la retenir. Non, c'est impossible. Gota, combien on leur donne? Allez, 20 secondes. Franchement, 20 secondes, c'est assez faire. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? On va faire preuve d'une grande mémoire aujourd'hui. Est-ce qu'on peut demander le silence? Top le compteur. Non mais silence. J'ai mis le compteur. Vous êtes des bâtards. Bon, on va pas vous faudrait pas vous parler parce que ça risque de vous déconcentrer, mais en tout cas vraiment concentrez-vous au maximum. Voilà, vous l'avez vu, cette séquence de verte rouge blanche verte rouge, elle est quand même un peu complexe. Tais-toi. Allez. Messieurs, à vous. C'est parti. J'ai gagné! Loc, réfléchis, t'as fait longtemps. Normalement, c'est fini là. Mais frère, arrêtez de l'aider! C'est terminé! On va commencer au bout. T'as fait quoi? C'est une bille verte, 1-0 pour Dwight B. Let's go! C'est une bille noire, 2-0 pour Dwight B. Let's go! C'est une bille d'une couleur qu'on saurait définir. C'est bon. Celle-là, elle est un peu verte. Non, elle est pas verte. En fait, tu es un peu daltonien, mais vas-y. Oui, il le sait. Mais moi, je dirais jaune. 4. On est donc sur 3. 0 4-0. Mais gros, il est trop long. 1, 2, 3. Non, 1, 2, 3. 4. 4-0. Je vois aléatoirement. 5-0. 6-0. Et la première erreur de Dwight. Je suis pas parfait. Ah non, 6-1. Il avait une noire. 6, oh bravo. 6-1. On continue. 7-2. On continue. 7-3. 7-3. Attention. 7-4. Oh le bâtard. Attention. Ah, dommage. Dommage. La fin est bizarre. 7-4 et 8-4. Let's go. Félicitations, Dwight B. C'est un 8-4 pour vous. Regardez. Oui. Dwight B est bien remonté, Gotaga à l'écart se resserre et Loclear bien évidemment dernier. Ce qui va se passer pour la prochaine épreuve, on va être plus sur de l'aim, mais dans deux types différents. Une armée et une sans arme. Il va falloir viser dans des cibles, on va tous y passer, celui qui marquera le plus de points remportera le plus de points au compteur. Et ensuite, ça sera deux duels en 1v1. Ça, qu'est-ce que c'est? Un fusil à air. C'est-à-dire qu'il faut, à l'image de certains pistolets, attention, rabattre les deux pour tirer. Ça envoie la balle à deux à l'heure. Du coup, le bullet drop, et ce sera votre question, est monumental. Aïe. On va se dire que la limite, c'est ce petit truc-là. Trop. Regardez, bien. Ce petit carré-là, directement. Ouais. Comme ça, il n'y a pas de triche possible. On passe chacun notre tour et il faut en mettre un maximum, sachant qu'ils n'aura pas tous le même nombre de points. Ici, c'est 100 points, ici, c'est 30, ici, c'est 50, ici, c'est 10. On cumulera en fonction de vos balles votre score. Celui qui a le plus gros score prend 4 points dans notre compteur, 3 points pour le deuxième, 2 points pour le troisième, 1 point pour le dernier. Gotaga, c'est à toi de jouer et ça commence maintenant. Le jeu du dino, c'est... Oh, c'est horrible. C'est un jeu. Et voilà, et voilà. Il va dire que ça lag, Qu'est-ce que ça lag. Alors. Ah oh. C'est dans le 30. Nous avons un 30 points confirmés. Dommage. Oh, le tuteur, il les tire une par une, il est trop fort. Allez. Dernière balle. Allez. Est-ce qu'il reste à 30? Est-ce qu'il passe? Ok. Il va tenter. Oh, Quick score! C'était mon meilleur tir, j'ai fait n'importe quoi, c'était quoi ce truc? Ok, j'y vais. Mais 80 points pour. Vous êtes prêts? Ouais, prends tout le temps quand même. Ouah, t'es allé un peu vite, hein. Mais wesh, elles vont pas loin, les. Plus haut. Oui, c'est un 30 puntos. C'est un 30 puntos, il a tiré qu'une balle. Ouais, bah écoute, tant mieux pour lui, GG, il a la tech. Non! Dommage, les deux se sont interchoqués. Un petit 50 était à égalité avec Gota. Oh non, elle était rentrée. Alors là, si tu mets pas 50 ou 100, je suis devant toi. Oh, mais mec, t'as tellement pas de chance. Il est nul, ce garçon.
0. 30. Ah merde, 30. Je regardais pas, j'ai juste dit 0. 50. 50. Oh, il a failli mettre 100. 0. Oh, il a failli faire. Waouh, il a été. Il a resté une. Bravo, bravo. Il a resté une. Ah, il a resté une. Peut-être. Oh non. Égalité avec Gotaga. Oh le 50. Par contre, mais c'est qui le fils qui a fait des trucs comme ça aussi? Oh, ah non, qui a fait ça? Je te jure. Gotaga, t'es vraiment un calculateur. Je vous jure que c'est pas moi. Si, si, t'as traîné vers là. T'as traîné vers là. Pas là. Non, oh, mais... le 2-10, oh, oh, le 2-10. Attends, fais gaffe, il te reste une, t'as actuellement 3ème. Je suis à 70, ah bah ouais. Je suis d'accord pour t'accorder 5 points supplémentaires du coup, vu que t'as tiré dessus. Non, j'ai raté le 30. Ok, ok, Gotha et Locke, premier à égalité. Mais comment on les départage mettre... Ah, ils refont la... Bien sûr. Comment on les départage? Ok. On repart pour faire premier, deuxième. Allez les gars, allez-y. Bien sûr. Oh, il a fait 100 du premier coup en le disant. Si t'en mets une en 100, je reprends le. Oh, l'air. C'est vrai qu'il se permet d'être un cancre, parce qu'il sait que derrière, il a le niveau pour. Ouais, bon, c'est gênant. Ouais, c'est toujours gênant. Elle bug, mon arme. Oh, oh. Non, oh, bah, les points sont doublés, les points sont doublés. Le jump. Oh, dommage. Dommage. Bah. Mais 100, tu me bats parce que je suis à moins de 10, je suis à 90. Oui, il a 90. Mais 100. Oh, il a failli. Oh, il a failli. T'as touché le 100. C'est terminé. Gotha premier, Locke deuxième, Dwagby troisième. Mais, regardez ce qui nous attend, messieurs. Mais non. Les gars, on est vraiment en colonie de vacances à 11 ans. Vous avez 5 balles chacun. Okay. Le but, en mettre sur l'adversaire le plus possible. On va se délimiter une zone, vous pouvez que faire des gauche-droite. Attends, tu commences, Dwag? Ouais, je vais fumer Gotha. Dwagby, tu commences à tirer. Oh merde. Et là, c'est une façon de se mettre dans les skills. Il saute, on a le droit de sauter. Ouais, bien sûr, on a le droit de sauter. On a le droit de feinter? Bien sûr. Oh là! Moins ça! La moitié de la zone qui était cachée! Attendez, si vous vous baissez, c'est en squat, c'est comme ouais. Là. Vous pouvez pas faire ça. Excusez-moi, je suis pas très sportif. Et il a tenté l'esquive pas mal, okay. Bien tenté. Et tryharder un peu moins, c'est les Olympiades et y a pas d'enjeu. Je précise. Ah oui, oui. Non, mais. Oh mais bon! Ah non, y a rien. Mais il a fait ça, ça fait pivot. Non, j'ai pas fait ça. Monsieur l'arbitre, c'est pour moi, il y a eu pivot. Et c'est un point pour Gotaga, bien joué. J'étais en train de parler. Dwagby, deuxième balle. Allez, on enchaîne. Attends, genre ça, ça. Ah, t'es clair, on la laisse. Vous dites rien? Non, on ne peut pas accepter ça. Quoi? On ne peut pas accepter ça. Merci. J'ai demandé l'autorisation, on m'a dit oui. Attention, vous dépassez. J'ai des clients dans le chat, je reçois de nombreuses plaintes à la société du strip. Là, il y a des gens. Et c'est un partout. Bien joué. Non, mais ma balle, elle a compté. Oui, il y a un partout. J'ai combien de temps pour tirer? Là, t'as 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6. Oh! Fair play de la part de Dwagby, je l'accorde. S'il la met, il y a égalité. Yeah! Il a dit! Deuxième match, Squeezie d'un côté, Locke Lear de l'autre. Squeezie, hein, bien sûr, qui est à l'attaque. Le joueur bleu. Oh, attention! Oh, monsieur! Chazum doit être mort! Le Chazum doit être. Il a mordu! Tu n'as pas le droit de passer à une dernière. Je ne savais pas! Un avertissement. C'est une balle en plus pour votre adversaire. Attention. Si jamais vous... Ils sont tous dans ton dos. Ça, c'est mon sniper. 1-0 avec une balle d'avance. Il remord, frérot. Il a remordu à l'instant. Il est en crabe. Non, allez. Pas non, j'ai le droit d'en lancer deux en même temps. Allez, c'est facile. Mais gros, arrête de il a remordi. Disqualifié. Pour la peur qui marque. C'est pas grave. Un point. Il fait que de sortir. Un point. Faut pas avoir peur que l'autre marque. C'est surtout sur le chute que vous devez vous concentrer. Et oh, la technique, c'est vrai. C'est ça, dans tous les cas. Le chasuble reste droit. Mais c'est très épuisant en termes de cardio. Vas-y. C'était malade. Hein. Vas-y. La technique de Squeezie est vraiment très avancée parce que ça laisse peu d'espace d'attaque. Et si le pied touche la balle, ça se passe. Eh ben écoute, c'est confirmé. Il ne se passe rien. Oh! Il a mis son pied pour bloquer! Le pied n'a pas touché. Est-ce qu'il validé? Attention, Locke, si tu touches là, ouais, tu ouais, ouais. Ouais, avec ses. Ouais. Le mec a pas le contexte là. Oh! Moi, je suis fatigué, la dépêche de nous toucher. Allez, s'il te plaît! Fini, frérot! Fini, moi, j'en peux plus de faire des danses Fortnite. Je le mets derrière parce qu'il commence à reculer petit à petit, attention. Et alors, il recule aussi lui! Attention, dernière balle. Et on va compliquer un peu le jeu cette fois-ci. Ah oui, vous êtes attaqué. J'ai gagné. J'ai gagné. Non, on était dans un moment mignon. C'est vrai. Mais j'ai gagné. C'est quoi, t'as gagné, tu l'as touché? Parce que vous regardez, on faisait des blagues et m'a envoyé le. Ah bah ouais. J'avais la balle secrète. Tu l'as vu venir. Il n'y aura pas de finale.